description, emménager dans un nouvel endroit et commencer sans un seul simflouze à la banque. Étape 2, et devenir millionnaire. L'étape 2 a l'air sympa. Et l'étape 3, j'ai déjà envie d'y être, mais bon. Prérequis. Résultat possible, avoir 1 million de simflouze. On va commencer déjà par savoir si vous voulez un homme ou une femme. Et c'est une femme à 61%, évidemment. Je le savais, je le sentais, je le supputais. J'allais cliquer là, vous savez, comme le réflexe, vous voyez quand vous avez des fenêtres. Bon, toi, t'as un problème de menton. Voilà, j'aime pas ta couleur de cheveux déjà. Merde, je vais enlever ses cheveux. J'aime bien sa... Oh, quelle horreur. J'aime bien sa petite, cette petite bouille. J'avais déjà fait des yeux verts à Sibylle, on va changer un peu. Hein. Ah, vous voulez un truc un petit peu foudingue au niveau de son style? C'est-à-dire que même au niveau des vœux et tout? Écoutez, on va partir sur ces dreads-là parce que je les aime et que parce que Paranormal, c'est un des plus beaux kits d'objets. Est-ce que je te change ta couleur de peau? Ouais, très bien comme ça. Vous savez, on peut pas non plus faire des looks incroyables, donc ça veut forcément dire qu'on passe par le tatouage, hein. Alors que c'est pas non plus incroyable d'être tatoué. Bon, voilà, on va faire ça comme ça, là, ça sera un peu tatoué. Hein. Eh! Vas-y, elle me fait penser à Maze. Mazekin, pour ceux qui savent que connaissent. Parce que j'ai repris Lucifer, c'est peut-être ça aussi qui me... Et effectivement, on va lui mettre des piercings pour donner un peu de style. Ah bah on va mettre ça. On va lui mettre ça, c'est merveilleux. On va partir là-dessus. De toute façon, on n'ira pas très loin, je pense. On verra bien quand on aura de la thune. Elle aura deux tenues, hein, et je pense même pas qu'on verra souvent les autres. Comment on l'appelle? Mazekin? Maze Queen, allez. Maze Queen, pour faire le jeu de mots. Donc on va lui mettre forcément l'aspiration fortune, j'ai envie de dire, incroyablement riche. Et qu'est-ce qu'elle aura comme trait, à votre avis? Qu'est-ce qu'on va faire? Sûre d'elle? Elle peut aimer la nature, ce sera avec lui les yeux quand elle sera à la rue. Ah, c'est vrai ça, Tandori, c'est vrai. Je vais donc de ce pas ajouter « adore la nature ». Quentin, la bonne idée, on pourrait être klepto. Comme ça, on se faire de la maille. Hop, kleptomane. Eh bien, c'est Soulani qui a gagné contre toute attente. Je ne m'y attendais point. Le printemps, parfait. On va habiter le quartier... Soulani. Ici, parce qu'on aura la douche. On aura la douche, on aura la... La cascade. J'ai jamais joué à cet endroit-là, et avec les... c'est là où il y a les irruptions et tout. Ben voilà, Maze... C'est maintenant, c'est tout de suite, et on va, grâce à la générosité de nos petits Sims, t'aurais pu trouver l'amour, et pourtant, tu vas trouver la crasse. Tu vas commencer à chercher des objets, des déchets, voilà, voilà, et des coquillages. Elle adore la nature! Moi, j'adore les sushis, c'est merveilleux. Les doigts de Soulani! Pa-pa-pa! On a déjà de la tunasse! On a déjà de la tunasse! 610 simflouz! C'est gagné, les gens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, tu vas... attirer les grenouilles. Oh, une coquille! Et elle vaut 40. Allez, hop, moi, je la vends direct. Hein. Les grenouilles! Vas-y, attrape les grenouilles. Une grenouille cœur, ça coûte combien? 10 simflouz. Bon, on va la garder pour l'instant. Ah, surfeuse. Ah bah, 10 simflouz. Wouhou! Bah, dis donc. Eh ben, on est riche. Ouais. Hein, on a des grenouilles à 10 simflouz. On va aller loin avec ça. Trouve-moi une grenouille qui vaut bien cher. Un sandwich au fromage fondu. Mais oh, oh, la coquille de Lunati. Allez, ta-ta-ta. On est déjà à 740, mais c'est trop facile, la vie. Un boulon. Mais c'est génial. En plus, pour l'instant, vas-y, cherche des déchets, des machins. Oh, fais-toi plaisir, hein. Je me souviens quand même de la petite... hop, ici, tu vas pouvoir explorer. Bon, on a encore beaucoup de chemin à faire, hein, 740 simflouz quand même. Sur 1 million, c'est pas beaucoup. Ah, super, il commence à pleuvoir. Quel bonheur. Sans abri. Bon, après, on est klepto, on va peut-être aller là, il y a quelqu'un. Je crois qu'il y a personne qui habite là. Ah, bonjour madame. Salut. Est-ce que tu as des biens précieux chez toi que je puisse venir voler à l'occasion? Bon, les poissons sont trop intelligents pour elles. Bah, disons que donner une bonne buff. Je suis pas sûre que... Si tu si t'es contente de voler des trucs... Sois sympa avec les gens. Vous habitez dans le coin? Vous avez une grande maison? Ouais, vous êtes riche? Vous avez des diamants? Bah oui, bien sûr.
mais semble s'évanouir en voyant d'autres Sims choqués et en colère. Est-ce qu'elle aime la malice? Je pense qu'elle va aimer la malice vu qu'elle est klepto. Elle aime la malice, et nous aimons la malice également. Si elle est sympa, elle pourra quand même aller chez elle, déjà voler des trucs, et puis profiter peut-être de son frigo, de sa douche, tout ça, tout ça. On sait pas. Ah tiens, Nalani. Comment vas-tu, Nalani? Depuis quand les sirènes pêchent des poissons, en fait? Je suis en train de me dire. Parce qu'ils en font tout un foin quand on pêche des poissons. Donc c'est quand même tristesse, là. Hein, j'ai pas tout compris. On a un tas de déchets. Et elle a faim. Et elle doit pisser. Heureusement, on a tout pas loin. Hein. C'est ça qui est bien sur cette map. Oh, une grenouille cœur. Mais c'est pas ça qui va nous aider à nous faire de la thune, là, Jeannette. Alors, on va se reproduire avec ça. Bon. On est d'accord que sur notre petite maison, là, on a le... Ah, mais on l'a pas. Oh, mettre activité volcanique, hein. On est des fous. Tremblement de terre. Allez, tremblement de terre aussi. Renard sauvage. Allez, renard sauvage. Et hors réseau, allez, on va faire ça. Là, pour le coup, on va se torcher le... Hein. On va y aller. Hein. On dira qu'on, quand on aura un peu plus de sous, qu'on commencera à s'installer, elle aura les moyens de bouger, parce que sinon, c'est pas drôle. À récupérer de l'eau. Et tu peux me récupérer des objets, des déchets et des coquillages. Voilà, elle me récupère des trucs, c'est ça qui est merveilleux. Les yeux de Soulani, oh, mais on va être riche sans... Mais... On a deux fois les yeux de Soulani, oh là là, à 550. 1100 simflouz, on est à 1840 simflouz, on peut limite déjà se faire une baraque. C'est beaucoup trop facile, mais bien sûr. Ce spam. L'argent, mais c'est trop facile, c'est trop cool, j'aime ça. Elle doit pisser. Ah non, c'est parce que c'était sale. Oh, bichette. Tu as tellement trouvé de déchets que tu vas me trouver tout Soulani, là. Des écouteurs noirs. Mais ils ont fait une mise à jour dans le sable. Comment ça se passe pour qu'on ait toutes ces choses-là? Bon, là, elle commence à pas être bien. Mais ah là là, les écouteurs noirs. Oh, on va pouvoir les vendre. C'est trop bien. Elle commence à avoir un peu faim. Comme par hasard, on a trouvé les sandwichs au fromage fondu. Il est gâté? Mais non. Ça rajoute encore plus de fun. Pardon. Mais non, c'est bon. Oh là là. T'en fais des histoires. Bon, elle est... Voilà, c'est dégueulasse. Elle a peur, elle a mal. Bon, elle kiffe pas trop, quoi. C'est bien, mais t'as mangé au moins. T'es rassasiée, tu vois. C'est beau, la vie. Vomir? Ah ouais! Tu vomis comme ça, toi? Ah, puis elle met les mains dedans! Dégueulasse. Tu es dégueulasse. Elle a mis les mains dans son vomi. Wouah. Elle a trouvé un trésor dans son vomi. Bah, on sait pas, hein. Après, le trésor dans son jardin, c'est peut-être le trésor dans le vomi, hein. Elle va faire... Oh, il y avait un bout pas digéré. Alors, ah non. Non. Pas ça. Elle est même pas encore trop fatiguée. Oula, qu'est-ce qui se passe? Prends une douche sous la pluie, si tu veux. On n'est plus à ça près. Voilà. Bon, ça va, on n'est pas trop emmerdé par les gens, en vrai. Je pense qu'on ira chez les meufs, là, le lendemain. Pour voir un peu, pour essayer de commencer à piquer des trucs. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ah, elle a froid. Ah, elle a froid. Hop, tu vas te rhabiller. Ah, et des coquillages. N'hésite pas. Oh, mais oui, il y a des trucs à creuser. Il y a des trucs à creuser. Jouer dedans. Ah non, ça c'est une flaque. Je voulais creuser, moi. Je voulais creuser. Alors, les ananas, ils ont pas encore poussé. Bon. On fera ce qu'on peut ici. C'est dommage qu'on puisse... On peut pas se suicider en allant dans le volcan, quand même. Ça aurait été rigolo. Ou de mourir tout simplement dans le volcan. Un quartz! Qui vaut 36. D'ailleurs, on va reproduire les grenouilles. Voilà, bon, comme ça, j'en ai deux. Attends, Jacqueline. Je vais vendre une grenouille de chaque.
Parce que là, on est déjà riche, hein, laisse tomber. Hein. C'est trop facile. On a presque... Attends. Un truc. Viens chez toi. T'habites chez une copine. Tu vas les mettre dans le monde. Puis après, on va les vendre. Et on va vendre ça. Parce que là, on va être à... Mettre dans l'inventaire. Comment on fait pour les vendre? Ah! Dans le mode construction? 220! Écoutez, on est riche. Nous pouvons donc commencer à construire notre abri. Regardez. Je vais construire un truc comme ça pour qu'on puisse avoir un toit. On peut pas avoir de toit. C'est ça que tu me dis. Voilà, on peut avoir un toit. Parce qu'on va faire un toit. Les toits, c'est gratuit. Donc, c'est merveilleux. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on pourra s'abriter de la flotte. Je triche pas, mais arrêtez. Parce que je vais vraiment construire, là. Je veux un mur, pardon. Je sais plus où j'ai mis mon mur et j'ai mis mon truc. Je vais faire comme j'avais fait avec... avec Voyage Surprise. Enfin, des trucs comme ça. C'est à jouer, mais... J'aime trop, oh là là. On peut même commencer à... Ah non, non, mais attendez, on s'en sort tellement bien. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ça ou bien... Sulani, ça me paraît plus logique, ouais, on va faire ça. Et puis écoute moins cher en plus, donc c'est merveilleux. Et bien sûr, on va mettre les petites toiles, les petites chaumes. Je laque comme ça. C'est un petit peu rupestre. Si j'ose dire, on va lui prendre un lit. Un bon lit. Un joli lit. 590. Que demande le peuple? Regardez-moi ça, comme elle va être bien. Elle a déjà son lit. Et on a encore 1000 simflous à dépenser. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un chevalet. C'est une bonne idée. Un chevalet est une très bonne idée. On peut se mettre un petit pissou, là. Un petit buisson. Un buisson des pipis. Un buisson de pipi, évidemment, c'est la base de la base de la base. Le buisson à pipouze. Il est où le moins cher? C'est celui-là, c'est Salvador. Salvador Ada, le petit buisson à pipi. Voilà, le pipi de la bouffe. Est-ce que le machin, on peut l'avoir, le... Fonctionne hors réseau, bah oui, je le sais. Ah, mais on peut faire le trou. Le barbecue volcanique. Après ça c'est bien parce qu'en vrai ça reste longtemps dans le machin. On peut faire à bouffer pendant 10 ans avec ça. Donc effectivement c'est pas mal. Et il coûte 800. Ça veut dire que je pourrais mettre son lit ici. Elle a pas peur de se faire chatouiller les pieds par les bestiaux, hein, moi je vous le dis. Chevalet, alors ça sera chevalet. Vous êtes sûr, un petit gameplay encore avec des toiles à faire là? On ne s'en lasse pas. Hein. Ça a été fait 10 millions de fois, mais au moins c'est fait 350. Bah. Parce que en fait, le problème de la glacière, c'est qu'après j'ai de la bouffe partout et des trucs qui pourrissent et tout. Ou alors on se fait un violon. Je sais que vous aimez le violon. Et une lumière. Aziz lumière. Parce que sinon on va rien y voir chez nous. Alors, non, c'est hors réseau qu'il faut que je regarde. Hors réseau. Lumière. Aziz, lumière. Je vous... Ah, ça, c'est pas mal. C'est assez RP. Petite lumière, là. On va rester là-dessus. J'aimais bien ça aussi, mais au final, ça, c'est bien. Peut-être l'amène là. Allez. On va réfléchir à tout ça. Elle va aller dormir. Du coup,
coup on voit son magnifique pyjama. Pourquoi je bouge comme ça? Ah oui, parce que j'ai mis... Ouais. Tout à fait. Ça en fait une belle nuit, hein. Il y en a qui ont de la chance. Oula! Il y a eu un petit tremblement de terre! Tout petit. On n'a pas eu le bruit. C'était pas moi. Si elle marche dessus, elle va se cramer les... Ah non. Eh ben écoute, un petit pipi. Puis il va falloir que tu commences à... Ah, ça y est, on peut récolter. On peut récolter, on peut manger, on peut vendre, on peut cuisiner. Et on peut aussi, tout simplement, les planter et les cultivationner. Voilà, c'est la belle vie qui commence. Facile, les Sims. Facile. C'est pas à moi que vous allez le faire, des coups du sort comme ça. Là. T'as pris quoi? Oh non, une capsule! Bon, c'est 70 Simflouz, hein. Tu vas venir me chercher des coquillages, tiens. Si tu trouves un petit sandwich avarié, ce sera encore mieux. Oh là là, j'ai faim! Ouh! Ma pauvre petite. Bon, elle a rien trouvé. Elle a tout trouvé hier, maintenant elle trouvera plus rien. Alors, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as récolté? Ananas, une racine de cava. Vas-y, tu vas manger ça et tu vas manger ça. Puis comme elle est très terrain hors réseau, elle va se pisser dessus d'une force. Sachez-le, hein, depuis qu'ils ont fait la mise à jour, regardez, paf! Elle va devoir se pisser dessus très très vite. Parce que sinon... Voilà quoi. C'est la faiblesse de hors réseau. En fait, c'est la vengeance des végétaux, hein, sur... voilà. Ah, tu me cultives, ah là là, tu veux vivre qu'avec moi? Bah tiens, moi je te le fais bouffer. Tu vas... Je vais y arriver. Récolter ici, tu vas voir ici attraper des grenouilles et récupérer de l'eau. On a l'habitude. C'est où? C'est là. On va récolter aussi des ananas. Est-ce qu'il a poussé? Pas encore. Le cocotier. Après le jardinage, c'est vrai que ça reste un truc assez commun. L'étoile aussi. Je vais la faire aller. Ah, je vais y arriver. Ici, elle va peut-être avoir des trucs. Ça, à force de courir, elle va pas prendre de poids, moi je vous le dis. Voilà. Encore les vers luisants et encore Jean-Claude. Bah dis donc. Mais elle doit encore pisser. Eh bah dis donc. Quand je vous dis que tu dois pisser sa race, bah ouais, bah c'est ça. Si tu veux, tu peux aller récupérer de l'eau. Ah, tu peux pas aller. D'accord, bah tu peux pas aller récupérer de l'eau. Tu vas aller au pisser tout de suite. C'est où? C'est ici. Ah, il a poussé. Magnifique. Ah bah non, trop tard. Est-ce que tu vas y fouiller dans ton pipi? Non? Oh, quelle tristesse. Je m'étais dit que après avoir fouillé dans ton vomi, t'aurais bien voulu... Hein? Dans le pipi, pourquoi pas, hein? Ça peut attirer d'autres bestioles, hein? Allez, tu vas récupérer de l'eau et prendre une douche. Mais pas nu, parce que, ben... Il y a quelqu'un qui est là. Oui, une coquille de Lunati, bah oui, bien sûr. Et encore des écouteurs. Ah là là. Oh oui, oui, oui. Et une conque ordinaire. Oh là là, tu vas souffler dans la conque. Parce que tu n'es pas très conque. Souffle dans la conque. J'ai envie que de te prendre en photo quand tu souffles dans la conque. Ah, oh, il fait déjà nuit. Ça, je ferai oyé, oyé, c'est l'heure du... Du challenge 1 million. J'ai l'impression qu'elle a rien fait de la journée. Les doigts de Soulani, ça nous ramène de la thune. Beaucoup, beaucoup de thunes. Pardon, c'était ici. Regardez tout ce qu'on a récolté aujourd'hui. 140. 80. On va, ça c'est 70. La concordinaire. 200 balles. On est loin des 10 millions du The Event, mais quand même. Je vais planter ça. Je vais quand même en planter les trucs. Hein, parce que faut pas déconner. Hop. Je sais plus, mais si ça rapporte beaucoup ou pas. Hein.
Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop faire le jardin parce que on va faire trop de choses. En fait, on a l'habitude de les faire et j'ai pas trop envie. Mais qu'est-ce que tu parles aux gens, toi? Ouais, laisse-le parler tout seul. Il y a des trucs à faire. Mais, Janine! Tu plantes ça! C'est le début de la fortune, ça. Espérons que les tremblements de terre et tutti quanti ne nous fassent pas tuer toutes nos plantations. Voilà. C'est toujours ça de prix. Oh! Ça pousse déjà, mais c'est merveilleux. C'est incroyable. Hein, Titi? C'est incroyable, ça, mon chaton. Ensuite, elle va manger un ananas, une racine. Et une racine. Enfin, une racine. Une racine, oui, c'est ça. Et déjà, niveau 2 de jardinage. On va vendre. Ah, bah, il y a ça avec, je peux le sélectionner. C'est merveilleux. Oh, on a reçu une grenouille cœur à pois à 30. Et on vend pour 870. Nous sommes riches, 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 riches. La 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 la. On est déjà mis, on a re 1500 boules. Il est minuit et demi. Elle est pas trop fatiguée. Tu vas quand même dormir. Parce que la nuit, il vaut mieux pas que tu sois très loin de ton camp. On sait pas ce qui. Ah bah tiens. On sait pas ce qui traîne dans le coin et quand t'as Valadiso, ce qui t'envoie un texto. Oh là, oh là. C'est pas moi. Il y a encore eu une petite secousse. Moi, ça fonctionne. C'est la seule fois où j'ai mis tremblement de terre, ça n'avait jamais marché.